Le 17 novembre prochain se déroulera la troisième demi-finale de Belgium's Got Talent, émission dans laquelle l'imitateur Fabien Lecastel concourra pour atteindre peut-être la finale. Alors, va-t-il y arriver? Eh bien, c'est vous qui le déciderez en votant par SMS pour Fabien. Retour sur son parcours. Octobre 2013, Fabien Lecastel est en sélection de Belgium's Got Talent et propose une palette de voix devant un jury enthousiaste. Mais Fabien arrivera aussi à charmer le public du Théâtre National. Il suffira d'une étincelle. Oui, d'un beau amour, oui, pour allumer le feu, allumer le feu. Fabien a droit à une véritable standing ovation de la part de tout le public. Merci. Mais aussi par Carlos Vaquera lui-même. Et les commentaires qui vont suivre seront plutôt positifs. Fabien, je suis très très heureux que tu aies eu la charmante idée de venir te présenter à Belgium's Got Talent. Et j'espère que ça va non seulement être un tremplin, mais que ça va pouvoir te permettre de dépasser les frontières de la Belgique. 2 minutes, ça peut être long. 2 minutes, ça peut être court. Et aujourd'hui, c'était très court. Ah ben merci. Donc merci. Moi, j'ai trouvé ça très comique. Et tu avais tout, tu es rentré dans tous les personnages avec la voix. On repartira avec les 3 oui du jury. Alors... Pour moi, bien sûr, c'est évident, c'est un grand oui. Ce sera, faut rigoler avec toi, oui. Oui, oui, merci, oui. Merci beaucoup. Mais le soulagement est de courte durée, car Fabien ira en repêchage à la demande du jury. Fabien, on n'est pas encore en demi-finale. Pas plus. Montera quelque chose. Après avoir fait rire le jury, Fabien tente un pari risqué en essayant de faire passer de l'émotion. D'une pluvieuse, quelque chose d'une généreuse. Et apparemment, le risque payera pour Fabien car le jury décide de valider son ticket pour la demi-finale. Plus profond de ma chair. Merci. Merci. Je vous aime comme un chou à la crème. Fabien Lecastel ira donc en demi-finale le 17 novembre prochain, et c'est vous qui déciderez de son sort.